Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente la visite de la 4e expo des véhicules anciens au parking d'Hyper-U. Alors, je vous préviens, il y a quelques ratures peut-être, parce que là j'ai mis à jour mon logiciel et puis... Bon, il y a toujours des nouveautés que je maîtrise plus ou moins bien, mais ça va s'arranger avec le temps. En particulier les sous-titres avec l'image artificielle, bon, l'image artificielle, l'intelligence artificielle, mais ça marche plus ou moins bien. Voilà. Alors, c'est parti. Alors ici, j'ai loupé ces deux voitures Simca que j'ai eu au début de ma vie de conducteur, la Ronde et l'autre, la P60. Alors je les avais bien filmés autour et tout, et je me suis rendu compte quand j'ai fait le montage que je n'avais rien parce que ma caméra n'était pas enclenchée. Oh, mais enfin bon, j'ai fait une photo pour vous en rendre compte un peu. Ah, il y avait des beaux modèles, hein. Alors ici, c'est des motos. Ils étaient donc. J'avais des sièges additionnels. Des belles carrosseries, hein. Comme celle-là, je ne connaissais pas. Je n'avais pas vu. Je ne l'ai jamais vu, du moins. Oh, il y avait un monde fou. Alors, c'était organisé par l'association Moteur Solidaire. Belle organisation, on peut dire, c'était bien fait. Et c'est une chance qu'il faisait beau. Et doux, température, bonjour, je ne sais plus, 20 ou 21. Alors ça, les sous-titres, faut pas trop vous y fier parce que c'est l'intelligence artificielle qui est en route, là. Bon, ça correspond plus ou moins, je ne sais pas. Je verrai par la suite. C'est nouveau. Vous présenterez et vous nous direz comment il a été créé, comment il a été créé, comment ce que c'est exactement. Je vois ça. Ah, les dinapans, ça je vais bien. Aujourd'hui, parce que je sais que tu viens. Mais pour le public, c'est important. Et une Opel.
et les fameux Volkswagen. La roue du camping, ça c'est pratique, ça va partout. Nous voici au matériel des pompiers avec la grande échelle. Je crois qu'elle devait faire 38 mètres de haut sous réserve. Et c'est du matériel déclassé. Bel engin. Ce camion échelle a dû servir à l'incendie du Parlement. Alors, nous changeons de sujet. Là, maintenant, nous voici avec les tracteurs, les plus anciens. Celui-là, il devait tourner depuis un moment. Hein. La pollution, je ne raconte pas. J'ai connu ça, moi. Arrêtez qu'elle soit. Alors, entre-temps, j'ai oublié de dire qu'au milieu, il y avait un espace pour se voir un coup, prendre des forces. Bien organisé, c'était fermé. Enfin, il y avait des entrées, bien sûr, mais c'était bien fait. Ah, la voteuse, j'ai connu ça, ça devait sortir.
notre petit Zouzou. C'est le premier point. Exactement. Il a 81 ans. À l'époque, ce sont les tracteurs les plus puissants, les bites qui ont lutté et... Regardez le gamin. Il est petit, hein, dans la cabine. Ensuite, il a encore grandi plus amplement. En effet, les sous-titres, ça laisse à désirer, je ne sais pas. J'essaye ça parce que je pense que je l'ai gratuitement pour l'instant, mais ça ne durera pas, mais c'est bon. Il y a tellement des réglages à faire que aussi... C'est peut-être pas le top. Pourtant, c'est pratique. Quand, là, si peu que j'ai vu ça fonctionner, ce serait un PMO, franchement. Ah, mon camarade, là, qu'on a aperçu. Oh, c'est vraiment assez simple. Oui, allez, la jeunesse. Oh, oui, en effet, la direction assistée. Voilà. Le Carpe Diem, il est super aussi. C'est déjà la bête. Et voilà, nous allons arriver à la fin. Où nous allons voir la voiture du shérif. Eh bien, c'est pas triste quand il y avait des enfants qui montaient à bord, qui actionnaient les klaxons. Oh là là, j'ai dit pourvu que parce que là, c'était... Il y avait quelqu'un dedans, et puis non. Thérèse bouchait les oreilles. Hein. Voilà, le spécimen. Ancienne sans doute. Eh bien voilà, j'espère que je vous ai relaté au mieux cette exposition qui valait le coup.
Merci mes amis, j'espère que vous aurez apprécié, puis à la prochaine vidéo. Allez, kinevo.